Est-ce que tu savais que chaque année en France, on jette 20 kilos de nourriture par personne ? Au même moment, 3,5 millions de personnes demandent de l'aide pour se nourrir. Les banques alimentaires ont été créées partout en France pour aider ceux qui ont faim et aussi pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Tout au long de l'année, les banques alimentaires récupèrent gratuitement 100 000 tonnes de nourriture, soit 200 millions de repas pour les distribuer aux démunis. C'est comme si on offrait 3 repas à tous les habitants de la France. Les bénévoles des banques alimentaires récoltent les aliments de 5 façons différentes. Les supermarchés, qui sont souvent obligés de retirer des rayons des produits qui ne peuvent plus être vendus, mais qui sont encore très bons. Les industriels, qui donnent directement des produits aux banques alimentaires, souvent pour des problèmes d'étiquetage. Les agriculteurs, qui donnent des fruits et des légumes qui n'ont pas la bonne forme ou sont un peu abîmés. L'Europe et la France donnent des produits comme du lait, de la farine, de l'huile et des plats cuisinés. Et chacun d'entre nous peut participer au moment de la collecte nationale le dernier week-end de novembre. Tous ces produits sont soigneusement transportés dans des camions réfrigérés. Une fois arrivés à l'entrepôt, ils sont triés par catégorie : viande, fruits et légumes, conserves, surgelés, huile, farine. Tout est alors pesé, étiqueté et rangé avant d'être redistribué directement aux associations partenaires. Chaque année en France, les banques alimentaires aident 850 000 personnes. Tu veux aider ? Toi aussi, tu peux donner et participer. En incitant tes parents, tes amis, ta famille à donner et participer à la collecte nationale dans les supermarchés. Tu peux également faire une collecte dans ton école et organiser un concours pour être la classe qui va apporter le plus de boîtes de conserve. Des milliers d'enfants se sont déjà mobilisés pour les banques alimentaires. Maintenant, c'est à toi de jouer.